dur, Eggman. Puisque tu insistes. Oh non, pas ça! Faire demi-tour pour la récupérer. Trop prévisible. Hein? J'ai comme l'impression que tu es vraiment centré. On est touché. Approche-toi. Oh, c'est quoi ça dans les nuages? Ça doit sûrement être l'examen perdu. Arrête de planer! Fais-nous atterrir! D'accord, mais je te préviens, ça risque de secouer! Molo. Oh, ne t'inquiète pas, mon petit. Sonic et Tails vont sauver tes copains, tu verras. Sonic, est-ce que tu as pu sauver ces animaux des griffes d'Eggman? Juste le conteneur qu'il a balancé de son Eggmobile. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Un seul conteneur? Quel nul! À ta place, je les aurais tous rappelés. Il faut que tu sauves les autres. Oh, je ne veux même pas imaginer ce qu'Eggman pourrait leur faire. Les pauvres. Je m'en occupe.
transformation sans une des lapins Robotniks. Boum! Une armée sur mesure. Et il faut que ce soit une grande armée si je veux m'emparer du monde qui est là-dessous. Vous êtes vraiment très impressionnant comme conquérant. Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai réussi à vous soumettre. Et avec votre aide, je vais non seulement régner sur le monde, mais je vais aussi détruire une bonne fois pour toutes cette saleté de Sonic. Eggman veut faire disparaître le petit hérisson bleu. Ouais, bah ça tombe bien. Parce que je suis d'une humeur massacrante. C'est ce qui me plaît chez toi, Zaz. Tu ne dis jamais non à un combat, même sans savoir ce que tu vas affronter. Tu l'as dit. Amène-moi ton hérisson, que je le dégomme. Victoire ou défaite, ça me permettra d'en savoir davantage sur notre ennemi.
chercher partout le crâne d'œuf au poil dans le nez. Tu me présentes tes amis? Mes amis, tu dis? Ce sont les amis de personne. Ce sont les effroyables six. Et ce sont tes pires ennemis. Zaz, qu'est-ce que tu dirais de montrer à cette peste bleue de quel bois tu te chauffes? Bien, avec plaisir. Ça me démange de lui donner une bonne raclée. Ça te démange parce que t'as besoin d'un bon bain. Et toi, tu serais pas en train de te ficher de moi? Possible. Je vais te démolir, tu vas ça voir. Ça m'aurait fait plaisir de le voir te découper en petits morceaux. Mais j'ai pas mal de boulot qui m'attend. Tu sais quoi? Je connais l'endroit parfait pour t'arranger le portrait. C'est marrant. Moi, je connais l'endroit parfait pour t'en coller une. Yeah.
Oh oui. Tu vas finir entre quatre planches. Je vais t'écorcher vite. J'arrive pas à y croire. Voilà. Alors, Tails, on va pouvoir y aller? J'ai fabriqué une télé rien qu'avec des trombones. Ouais. Reprogrammé un super ordinateur avec du liquide vaisselle et un cure-dent. Je sais. Alors, pour moi, réparer l'hélice d'un avion, c'est presque aussi facile que de faire la sieste. D'accord, mais t'avais pas besoin de me raconter toute ta vie, tu sais. Il suffisait de me dire qu'on pouvait décoller. Très bien. Prêt à décoller? Cool. Je dois dire que ces animaux sont franchement décevants. Et vous, vous l'êtes encore plus, bande de bois, rien. Ma déception est extrêmement brutale. Nous n'en avons strictement rien à faire de vous décevoir, maître. Et de ça non plus, on n'a rien à faire. La prochaine fois, apportez-moi les meilleurs animaux. Yeah.
Donnez une leçon à cette petite taille bleue. Hé hey, qui c'est que vous appelez Gros Lard? Toi. Bon, dépêche-toi d'anéantir Sonic et je te donnerai un sandwich encore plus gros que celui-là. Mon bien, sandwich. Oh,
bof, t'as que la peau sur les os. Comment sont les niveaux de puissance en botte? Niveau de puissance stable. Activation de l'extracteur. Réaction instable. Il vaut mieux l'éteindre en vitesse, chef. Sinon, ça risque de surchauffer. Éteins-moi ça! Oh, pourquoi vous avez arrêté, chef? C'était vraiment génial! La machine est devenue instable. On doit juste emprunter un peu d'énergie à la planète. On n'a pas envie de la détruire. Parle pour toi.
J'aurais juste un mot à te dire. Régime et exercice. Donne-moi trois mots. Je crois que je te dégusterai en dessert. On parle pas la bouche pleine, mon gros. C'est ça. J'ai oublié de mettre de la moutarde. Je reviens. Hey, où est-ce que tu crois aller comme ça? Une myrtille géante, bien ronde et juteuse. Mais je te demande si tu peux me rester en travers de la gorge. On dirait une myrtille géante. Mais je me demande si ces forces vont me rester en travers de la terre. Tu es rapide, mais moi, je suis grand et long. Et attends, t'as pas intérêt à te moquer de mon poids. C'est plus.
dirait que le dîner est servi. J'affine vos capacités, je vous équipe des robots les plus puissants que j'ai jamais créés, je vais même jusqu'à vous donner un sandwich gigantesque, et pourtant, vous me décevez. Je sais faire preuve de compassion. Ce truc ne me dit rien qui vaille. Attends une seconde. Sonic, je crois que l'arme qu'utilise Eggman, c'est... Tu vas devoir faire sans coquillage. Quelle grossière erreur. Ça m'étonnerait. Depuis quand c'est une erreur de te confisquer tes jouets? Eh bien, depuis que c'est le seul truc qui empêche six étiers en pétard de prendre le contrôle de mes robots, espèce de hérisson sans cervelle. Attaquez les frères! Que cet idiot paye pour nous avoir réduits en esclavage! J'aurais vraiment dû t'écouter, Tails. Non, sans blague.